Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'une deuxième méthode sans automatique. Supposons on a des fournitures scolaires vendues au cours des derniers mois et comment faire la somme automatique de ce tableau. Je sélectionne ma cellule sur laquelle je veux afficher les résultats. D'accord? Donc cette fonction somme automatique, je vais la trouver en haut, la barre de menu, l'onglet accueil, groupe édition. Ici, on l'a reconnu facilement par le petit logo sigma, qui veut dire sombre, en mathématiques. En cliquant une fois un seul clic, voilà, la zone sélectionnée ici. Il faut bien vérifier que la zone sélectionnée par Excel est la bonne, mais ici n'est pas bonne. Pour corriger cela, les deux flèches, en cliquant et on glisse vers le haut, plage de cellule. Et voilà, plage de cellule de C3, C28. Valider maintenant notre cellule en appuyant sur la touche entrée du clavier juste une fois. Très clair. Voilà, on obtient le résultat. On va refaire à côté. Alors, je me positionne sur la cellule. J'aurai le résultat. D'accord? Ma cellule active. Là, même principe. Un seul clic sur Sigma. On contrôle la sélection réalisée. En glissant vers le haut. Et on va un peu automatiquement valider avec entrée en clavier. Même principe. Voilà notre vidéo terminée. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.